Bonsoir, bonsoir et bienvenue. Semaine ça, c'est la peinture, la sculpture qui est à l'honneur. Nous prenons un privilège pour nous rencontrer un peintre haïtien célèbre qui a vécu dans la diaspora, ça fait très longtemps. Mais, tant qu'on le dit, c'est Cole qui est en dehors d'Haïti, mais non, mais c'est en Haïti. Et c'est avec fierté, avec un pile passion que la part continue à vendre culture nous, peinture nous, art nous. À travers le monde, et ceci, l'IFEL, là, dans le cœur de Haïti. Si Haïti qui connaît un captonné aux destinations touristiques dans le sud de Floride, là, donc, nous riches, nous gagnons pile bail pour nos fruits, et nous comprenons, là, nous dit peinture, là, nous dit culture, gagne un impact culturel et économique que le cas gagne sur toute société. Et c'est un plaisir aujourd'hui hein, pour moi introduire à Wilfried Joseph Dalleus. Hey Dalleus, comment est-ce? Good, good, good. Bel tableau. Aïe bobo, aïe bobo, aïe bobo, aïe bobo. Yo, I'm people, yo. And I'm Richie. From class. Class it is, baby. Tout Jean, you watching. Cocktail TV show, keep it là. Aïe, fais-la tout ke ou. Bonsoir, Dalleus, et merci pour être recevoir nous dans Galerie de Rouen. Ok, merci, Farah, et bienvenue. Merci, très cher. Et compliment pour Gal Roland, qui est dans Cutty Haïti. Et moi, que vendre, et non seulement
et talent, mais aussi et la peinture haïtienne, l'art haïtien, et qu'a dit que nous, ou son ambassadeur pour Haïti. Après 37 ans à vivre dans le sud Floride, où on voyage en pile, et où tu es gagné dans plusieurs zones, par exemple dans Coconut Grove, Delray Beach, Miami Beach, North Miami, et qu'on y a où vient dans Cutty Haïti. Et comment on voit l'évolution et Miami au sud Floride après 37 ans? Bon, et à l'aide de et advertising, toutes les promotions que ils ont fait pour te relier South Beach et Wynwood et Design District et avec Little Haiti pour te venir tourner un couloir du touriste. But, et c'est une raison qui fait moins déplacer, quitter et North Miami et venir dans Little Haiti. Ce n'est pas à cause de ça qui fait venir. Donc, vous comprenez l'importance et touriste dans le développement culturel et dans l'apport économique tout touriste gagné pour et dans une zone. Donc, comment vous voyez le fait que la politique Haïti, qui future de Haïti avec Kounia, vous reconnaissez officiellement? Bon, et ça, c'est un bagage pour moi qui fait un effet parce que je pense que c'est une bonne décision que vous venez prendre pour et faire développement touristique dans Little Haiti. C'est ça qui intéresse venir dans Little Haiti. Donc, vous allez en parler un peu plus de carrière. Vous gagnez 57 ans de carrière, comme il y a un et ça, et à l'âge de 10 ans, ou vendre premier tableau et à l'âge de 15 ans ou te monter galerie d'au caille maman dans première avenue Boulos. Donc c'est toute ton carrière, toute ton vie et quelques années après pour elle vite décider rentrer aux États-Unis. Parlez-nous plus de carrière. Eh bien moi fait toute vie comme ça, moi vivre de peinture moi et toujours grand pile succès depuis au début jusqu'à nos jours. Et tout le monde toujours aimé tout ça me fait et puis toujours à acheter tout ça me fait qui cause que me fait vivre comme ça dans peinture fait toute carrière dans peinture et moi j'ai plusieurs professions moi fais électricité me fais mécanique ajustage et puis moi c'est un sculpteur tout et puis moi a développé et on l'autre bagaille que moi gagne et à classe que me toujours gagne pour moi et by tout monde quel que soit mon petit monde grand monde quel que soit mon le son peinture le son art c'est une raison qui cause que moi toujours intéressé by classe parce que m'blé pour me capable remettre ça me gagne hein, parce que passer la jeune génération justement pour jeune génération hein, continuer et qu'on peine, qu'on est attaché à la culture haïtienne. Et dans ce sens, où il y a un étudiant FIU, Miami Dade College, qui vient prendre classe à voir dans le galerie. Tout le temps. Et où il y a une leçon privée tout. Il y a justement, avec tout le monde en privé, et puis avec tout étudiant, tout le monde qui voulait, moi, toujours, il y a toute leçon art. Style d'Aleus, style peinture d'Aleus fait que vous développez plusieurs types de peinture et vous souhaitez mentionner aussi sculpteur, mais vous faites céramique, vous faites papier mâché et tout. Et moi, vous avez un bel masque décoratif et dernièrement, vous avez gagné des collections de papier mâché et que vous avez fait avec étudiants FAU qui étaient exposés dans l'aéroport Miami. Justement, c'était sous Vautour et exposition, hein, t'es faite. Et c'était pour le carnaval et il a fait exposition dans l'aéroport national. Dis-nous, après tant d'années à vivre en dehors d'Haïti, comment est-ce que l'étranger recevoir peinture nous? Bon, c'est une bagaille que tout étranger, surtout, il a toujours remé, il a fait folie pour culture haïtienne, non? Ouais. Et puis il a remé. Et tout ça, Haïtien fait, bon, c'est une bagaille qui fait le monde parler de Haïti. Ouais, que tout le monde, toujours, chaque temps, yo voyager, soit en Haïti ou bien à l'étranger, ils ont rencontré des artistes, qu'ils ont fait des folies, ils ont acheté œuvres, pour être capable de faire cadeau à l'étranger, pour être capable de représenter œuvres haïtiennes. Est-ce qu'on
est-ce que vous comprenez qui ça fait ça, qui pour ça étranger autant attaché à peinture nous? Bon, c'est une façon pour être capable et jouer une culture nous à travers œuvre nous. C'est une raison qui fait. Mais qui que... ça qui différencie culture peinture nous, ça nous exprimer à travers peinture nous et comparer avec d'autres peintures d'autres nationalités? Bon, c'est bon. C'est un bail qui l'organe d'une œuvre haïtienne, même s'il parmi des milliers d'œuvres d'art et différents de nations, ou haïtiens, des œuvres haïtiennes, ou elle carrément, ou les distinguer normalement. Bon, c'est ça qui fait rejoindre et culture haïtienne, c'est à travers œuvres d'art ça y est que rejoindre culture haïtienne, y reconnaître parce que l'identifier chaque œuvre ça y est de tel pays à tel pays, identifier et qui nationalité et artiste ça. Artiste ça, c'est l'identité, l'originalité, ça l'exprime tout. Yeah. Et nous connaissons que il y a un folklore là, qui représente un pile la peinture. Là. Justement, c'est une identité haïtienne. Et nous, c'est un pile dans la peinture, on a regardé les vases et dames qui dansent, et on a regardé la peinture côté, et on a trié maï, et puis les gens qui ont chita sous Dodini, donc marché, donc les timoun qui ont joué, tout le monde a une belle fleur et tableau vaudou, et vaudou. Tout le monde a permis que nous. Ou de ouais identité haïtienne. Qui sont capables de comment capable qui conseille au cabaye aux jeunes, aux monde qui veulent faire carrière professionnelle dans peinture parce que nous connaissons que n'est pas toujours facile et mais dans cas pour là nous avons un tableau qui coûtait 600 000 $ et même genre un tableau tout qui coûtait 150 000 $, 50 000 $, 500 $ qui et ou vivent de art. Qui conçoit Kaba aux jeunes? Bon, tout simplement, le yon artiste et à peine le un monde quel que soit mon nom, li né artiste ou bien li envie qu'on peine, même si li pas né artiste, mais yon artiste, un professeur qui a fait et yon un jeune artiste vin tourner un gros artiste parce que li capable de faire venir une profession hein, beaucoup plus parce qu'il déjà gagné un ensemble et puis et ça permet que le vin tourner un gros artiste c'est à l'aide de nombre d'années que le gagné de la peine d'expérience et puis aptitude li pour Atlanto qui fait le qu'a vin tourner un bon artiste et pour non pour artiste ça capable vin gagner valeur c'est dans gens que la peine depuis au commencement et puis il a toujours été consacré li, à peinture là et puis la peine pendant ce temps non a fait c'est à partir de hein, et puis persévérance là justement et puis ou vient fond non par exemple moi-même toute carrière moi net moi fait dans peinture c'est depuis au début jusqu'à nos jours c'est ça qui fait qu'on a peinture me vendre pour un pile cobre parce que moi gain une carrière que me fait on touche yeah. qui parle ouais gon on a parlé de technique de voilà. style ouais ça tout ça au chercher gon personnalité d'ailleurs les que ou à peine faut gain personnalité ou à travers peinture si un exemple que m'a baille que en pile artiste sur toujours à essayer copier de ça on l'autre artiste fait déjà pour y a fait tout laisse ça ou vienne pas gon personnalité ou vienne pas cap fait non comme ça ou continue à travailler pour artiste ça pour copier mais les que ou chercher gon personnalité tout ça vient faire valeur parce que tout le monde qu'on y a ouais que artiste ça les deux artistes là les pas deux ont l'autre artiste c'est ça vient bon personnalité et tout ça fait valeur fait ou capable faire carrière comme ça et puis ou fait valeur ou capable gagner un prix ou capable faire prix ou capable faire un nom et puis pour capable de bien prix.
Voilà, il faut augmenter et prix que artiste ou abonne. Mais l'autre part qui baille valeur, qui baille et œuvre dans artiste valeur, c'est qui est tout caché tableau lio, c'est qui côté tableau exposé. Et tableau pour yo, yo exposé un peu partout, il y a de grands collectionneurs qui prennent tableau, il y a des institutions, par exemple, dernièrement, tout à l'heure, vous avez mentionné Miami International Airport et il y a exposé tableau. Le Caribbean Market Place a ouvert la première fois, ou tu es là, ou tu es baille tableau? Yeah, justement, moi j'étais là dans le début. Moi j'étais toujours là. Et puis, il vient de rouvrir encore. Et c'est ça qui fait moi en face, les gens. Parce que, et moi venu parce que, il y a l'aide de promotion que tu as fait. C'est pour ça que je suis venu. Et parlez-nous un peu plus de collectionneurs qui ont un tableau. Nous voyons que John McCain, pendant la campagne, il était en 2008, il y a un tableau. Il y a Madame et John Kerry, tout. Et Wyclef Jean, ça c'est moun, de monde qui apprécie le talent. Nous gagnons tout acteur et américain Geoffrey Holder et son collectionneur de tableaux. Parlez-nous de l'expérience. Yeah, et monsieur Terrain, mes tableaux en pile. Et monsieur, et avant la Molly, que le vend et Christie Sotheby's collection, tu gagnes plusieurs tableaux et puis il te vend Christie Sotheby's. Et puis, monsieur Mouri, et tout dernièrement, monsieur Mouri, monsieur parle encore, bon, c'est monsieur qui a joué le film Le Serpent et le Rainbow, et il joue plusieurs films de Haïti, bon, c'était une grosse célébrité. Yeah. Et qui est lui-même qui a une collection? Yeah. Et qui côté une collection? New York, non, collection, il était vendu, il était fait une auction dans Christie Sotheby's. Ok. Yeah, il était vendu toute collection. Et qui s'entend des mondes, là, on a parlé de collection, qui sont de peinture, qui sont entendus de comment définir Dalius? Bon, en fait, il y a toujours Abdi, en pile monde, toujours plein Dalius trop cher, Dalius trop cher. Mais c'est pas fortement, c'est parce que moi fais un nom. Ouais, ça 57 ans de carrière, moi j'ai en fait un nom. C'est un gros problème. C'est un gros problème parce que le artiste gagne tableau obligé fait prix. C'est pas faute moi si me fait prix parce que ça fait 57 ans de carrière. M'a rappelé nous que nous avec Joseph Wilfried Dalius dans galerie d'Orléans dans musée là qui en face un centre culturel d'Haïti. Nous va proposer publicité on va tourner tout à l'heure pour reste interview. Gros nouvelle pour nous fanatiques Cotel TV Show yo. Émission télévisée nous an sorti finaliste dans catégorie Top Compa TV Show dans première édition Haitian Music Awards. Jouette pour nous kounya à partir 5 septembre pour 5 décembre, votez pour Cotel TV Show quel que soit côté dans monde là. Ou capable voter sur haitianmusicawards.info/vote ou soit voyez un texte sur 737 210 4422 et puis tapez Cotel TV Show. Pas oublier, sorti 5 septembre pour 5 décembre, votez pour Cotel TV Show comme Top Compa TV Show. Haitian Music Awards a fait 7 janvier 2017. Merci. Merci pour voir. Passion pour pays. Merci pour tout travail et création pour Goué Haïti monter. Dimanche 30 octobre 2016, pour rendre hommage mérité à Yol des Roses, United Haitian Artists a présenté dans Miami-Dade County Auditorium Haïti Cœur de Femme. Haïti Cœur de Femme, ses résultats en pile travail. Yon mariage, belle voix, belle costume, belle couleur. Bel coup de tambour, belle harmonie, belle complicité entre plusieurs artistes différents pour célébrer héritage culturel nous, sous bannière fierté, l'espoir et l'amour tout temps. En nous tout à l'dit, Yol des Roses, bravo, nan bel coup d'jaï qui a réuni Renette Désir, Richel Guillaume, Tamara Suffren, Annie Alert et tout l'autre yo, sous direction maestro Fabrice Rousier et Nicky Christ. Invité spécial, Diva Créole International, nous. Emeline Michel. Bénéficiez puis bon prix. Prends ticket au bonheur pour seulement $40 à partir du 15 septembre sur le site internet ticketmaster.com. Dimanche 30 octobre 2016, viens applaudir à Tis New York sous scène Miami-Dade County Auditorium.
2901 West Flagler Street, 6h30, porte qui a déjà l'ouvrir. Tribute to Yul de Rose, qui ont gros spectacle, qui ont gros rendez-vous. Spectacle ça possible grâce à Picklist.com, Des Dunes Photographie, Compaïvette.com, Le National, Le Floridien, Radio Haïti Amérique, Radio Planète, Radio Méga, Valerio Canez, Cocktail TV Show, Télé Anacaona, Bonjour Haïti, Island TV, Master V Productions, Femme na Miami, Sotla, Actela Management Group. Bonjour à Cocktail TV Show. On a continué l'entrevue ça que nous gagnons avec Joseph Wilfried Daleus, un peintre haïtien célèbre qui vit dans la diaspora. Ça fait 37 ans déjà. Avec 55 ans de carrière avant et peinture haïtienne et la culture haïtienne, l'image d'Haïti en dehors d'Haïti, nous a dit que Wilfried Daleus, son ambassadeur, ça fait déjà 3 ans que l'installer est Galerie d'Orléans, Musée-là, de Daleus Museum and Art Gallery, dans Côte Haïti, qui connaît son destination touristique. Donc, Daleus comprend l'importance et comment vendre l'art haïtien, la culture haïtienne en dehors d'Haïti, et son plaisir pour moi avec Daleus jeudi. Hein. Et Daleus, moi, connais que vous participez dans plusieurs projets et ça fait que vous avez attention à plusieurs médias et étrangers. Par exemple, Mamiral, vous avez un article parlé de vous, vous faites couverture de South Florida Magazine, Home and Condo Magazine, Mainstream Press et Neapolitan Magazine, pour ne citer que cela. Donc, c'est plusieurs magazines, médias internationaux parlent de vous. Vous représentez Haïti dans plusieurs projets et Miami, bon, en pile élu et puis avec ville, gouvernement même, reconnaître Daleus comme un pigounon dans la communauté haïtienne. Qui ça représente pour vous? Bon, ça représente un paquet de bagages pour moi qui fait que moi content de travail que je fais depuis tout le temps, Baruguette, parce que bon Dieu, lui mettait chaque monde pour faire pour une mission. Moi-même, dans la mission, pas je me sentais que je fais ça que je dois faire en tant qu'artiste. But, et son pas rendre bon Dieu gloire pour talent le bas ou tout? Pour talent que le bon moi. Yes, on mettait au service de la communauté tout. Voilà, voilà. Et moi, gagné un cadeau que m'a fait et Little Haiti, et parce que nous étions censés perdre nous, mais nous gagnons nous en bac. Et c'est une raison qui fait moi voulais faire cadeau valsa que moi te peine qui est très cher pour moi que m'a fait Little Haiti cadeau que je vais faire un pack devant et Notre-Dame non, l'église Notre-Dame non, l'église Notre-Dame non, il y a mis des chaises tout autour lui pour les touristes venir, n'importe monde qui venir pour y aller chita dans ce parc là pour capable admirer valsa que m'était fait cadeau à pour rester en mémoire de nom Little Haiti. Et le parc ça c'est un symbolisme tout côté qu'a gagne un bel enseigne qui dit welcome to Little Haiti. Yes, l'a gagne on sorte de et marbre et que la chita sur lui qui a marqué welcome. Qui représentation valsa qui représente ça et œuvre ça représenter. Bon, lui représenter une scène de folklore et où est dame qui a dansé folklore devant et puis il y a un instrument folklore qui tout autour lui tambour et banjo, guitare et puis bambou et puis trompette et qui fait folklore haïtien. Un très bel chef-d'œuvre et qui estimation chef-d'œuvre ça. Estimation Vasa. Estimation, son œuvre qui n'a half a million dollars now. Half million dollars ou bien 600 000 dollars. $600,000. Et
parlez-nous un peu plus d'inspiration des vases, parce que moi, il y a à peu près 6 pieds. Yes. Il y a à peu près 6 pieds et les sont poteries, c'est où vous faites poterie, hein? Non, moi, acheter, moi, fait céramique tout. Mais malheureusement, je n'ai pas un studio qui m'a fonctionné et qui m'a fait de gros vases comme ça. Et ici, mais m'acheter vase à vierge et puis moi fait moi modeler moi sculpter et sujet à souli superbe. Et combien de temps vous devez faire? Bon, son une pièce que me fait dans 8 mois. Wow, superbe. Et c'est libre rentrer dans l'histoire, dans les annales de la ville de Miami et symbolise ça, c'est de vous-même. Nous, ouais, tout que, ou très inspiré par le vaudou haïtien. D'ailleurs, il illustré œuvre dans plusieurs livres, par exemple, de ouvrage qui titré Secret Arts of Haitian Vaudou. Dis-nous, qui relation avec mon vaudou, hein? Bon, parce que moi-même, moi, c'est un vaudouisant. Bon, toute famille, moi, presque, c'est vaudouisant parce que moi, né non catholique et toute famille moi yo en pile là-dedans presque toute c'est vaudouisant. Donc vaudou j'en pile grand pile bon place signification pour moi. Ouais, bon, son bail que me connaît très bien le vaudou. Mais d'aller juste dis-nous qui relation Kokembe après tant d'années puis continuer à être identique Kokembe identito comme haïtien ou abavan et culture nous en dehors d'Haïti. Dis-nous qui relation avec Haïti. Bon, en fait, seul ça m'est capable de dire en un mot que comme ici mais non moins en Haïti. Moi toujours à vivre de pays parce que moi mes pays mon pile. Je n'ai pas perdu rien, je n'ai pas changé, j'ai toujours été tel quel. Haïtien. Et vous représentez pays où que ce soit, côté ou aller, la tête haute. Voilà. On parlait de, on connaît qu'on a un pile timon, on a 5 petites et 2 petites. Ça faudrait même dire qu'on a 7 petites. On ne peut pas garder, on va considérer petites. Et donc, on est un monde qui est riche. Et dis-nous, qui la famille représente pour nous dans l'œuvre? Bon, sans yo, que je n'ai pas senti que je vive. Parce que c'est à cause de famille, moi, petite, moi. Ouais, famille, moi. Moi, mais famille, moi, en pile. Bon, c'est pour yo, je vive pour l'autre monde encore. Parce que si on n'a pas une famille, autant que son monde nul, autant que son monde qui n'a pas une vie, ouais, c'est à cause de yo qui fait. Toujours à résister à la vie, peut-être eux-mêmes, parce que ils ont tout à suivre ou tout à attendre moi. Donc, nous, dans le studio, on frappe nous que nous sommes d'Aleus Museum and Art Gallery, qui est dans le quartier Haïti, par l'autre bord là où il y a le Little Lady Cultural Complex. Et donc, là, nous passons dans la zone là, et nous mettons vos yeux, nous avons pris d'Aleus Museum and Art Gallery, d'aller ça ou là, et tous les jours, de quelle heure à quelle heure? Moi, là, de 10h du matin jusqu'à 8h du soir, chaque jour, même les dimanches. Même les dimanches. Et là, il y a une activité dans la zone, le centre culturel, là, il y a un gros bamboche, donc, galerie de là, ouvert pour tout le monde, pour venir visiter, pour prendre belge et œuvre d'Ario. Et nous connaissons tout que ouvert pour des leçons privées? Yes. Moi, à n'importe quelle heure, à n'importe quel jour, je suis toujours disponible. Et parlez-nous de projet qu'on travaille pour nous en ces jours-ci. Mis à part de me connaître, d'obtenir l'inauguration du parc Little Indian, mais qui est l'autre projet qu'on travaille pour nous développer ou développer un nouveau style tout? Oubliez, moi, j'ai gagné plusieurs styles de techniques et pour me capable de plaire. Tout le monde, parce que il y a un pile de monde qui toujours a pédé, dit tout le temps, il a dit ça, et que d'aller trop cher, mais moi, j'ai deux bagages spéciales pour eux, que moi, fait que qui ont entré à affordable. Et par exemple, j'ai une technique transfert picture and retouch, qui n'est pas cher du tout,
que et tout le monde toujours très content et pour venir bon faire portrait et que avec de prix que monde toujours content. Eh bien, et d'aller eu ça compliment et nous-mêmes qui de passage à Miami ou bien qui comptait et font arriver dans Miami, eh bien m'invitez nous venir dans Daleus Museum Arts Gallery qui est dans 5910 Northeast 2e Avenue Miami et 33 137. Et puis Daleus, si comment pour nous rester en contact avec vous? Vous connaissez sur Google, YouTube, yeah. Facebook, Instagram. Yeah. Donc mettre tout simplement taper Daleus Museum et Joseph Wilfrid Daleus et puis après sur Google, YouTube, tout bagaille et puis après il a joindre moi. Il a pour œuvre. Merci pour entrevue ça. Merci pour entrevue ça et si vous besoin joindre nous par téléphone tout. Yeah, c'est 305 891 0030. Merci Daleus. C'était avec le célèbre peintre et sculpteur haïtien Joseph Wilfrid Daleus. Nous parlons de publicité, on a besoin tout à l'heure. Bonsoir tout le monde. Non pas moi, c'est Gisler Mésidor, directeur Café Olé Production, qui voulait faire nous tous connaître que Café Olé Production retourne avec Culture en Folie dans Cassa Champêtre, deuxième vendredi de chaque mois à partir de 10h dans la soirée. Venez découvrir une pléiade d'artistes, une pléiade de talents dans poésie, chansonnette française, musique jazz, défilé de mode et tout ça. Pas oublier, rendez-vous à deuxième vendredi de chaque mois dans Cassa Champêtre qui est dans Pembroke Pines, Florida. N'attend tout le monde à la ronde badée. Ciao. Looking for a taste of the Caribbean right here in North Miami? Where fresh ingredients and your favorite Caribbean spices will delight your taste buds and the service will make you smile? Then come on down to Old King Creole Barbecue and Bakery. At Old King Creole, we specialize in three things: good times, affordable prices, and fantastic Caribbean food. So bring the whole family, bring your friends, and remember to bring your appetite for delicious, authentic Caribbean food. Old King Creole Barbecue and Bakery, located at 13695 West Dixie Highway, North Miami, Florida, 33161. Come on down the islands. Moi toujours dans centre Haïti, plus précisément dans Daleus Museum and Art Gallery pour me présenter nos éditions Cocktail TV Show ça. Et là nous disons dans Haïti et comme Daleus mentionné tout à l'heure, c'est comme si quelque part ou sans tout un élément ou sans tout nan côté nan mot nan côté ou tarier. Ou pas gain Haïti mais ou gain Haïti. Donc c'est un plaisir pour moi présenter nos émissions ça et faut me dire non que depuis moins dans zone là moins sentiment vraiment et différent de des États-Unis donc c'est ça petit coin terre pas nous même haïtien compliment à tout le monde qui travaille pour capable continuer à et préservation culture haïtienne nan, et aux États-Unis dans diaspora et d'ailleurs c'est seul Miami qui gagne officiellement Little Haiti. Donc nous connaissons que Chinois yo gagne Little China, nous connaissons que Cubains yo gagne Little Havana et bien nous haïtiens nous gagne dans Miami et Haiti Little Haiti. Welcome back to our Beauty and Confidence TV segment. Of course, we cannot forget about our on-the-go woman, our business woman that always have 10, 15 events to attend on one day. So today we're going to give them 10 tips, 10 items that they must have in their purse or in their car
while they're on the go, so they always feel prepared and they always feel that they can switch from one scenery to another scenery. So the very first thing that you need to always have in your purse is, of course, a darker lipstick. So during the day, you can go by with your nude lips or your lip gloss. But if you have to switch during the night and attend a more sophisticated event, you could just change your lip color and voila, you already upgraded your look and you are ready for the nightlife or a fashion event, wherever you're going that require a little more upscale makeup. You don't even need to do much more in the other aspect in terms of like eyeshadows or mascara. The second item that you should have in your purse is something to upgrade your hair. For example, if you do have straight hair, a flat iron is a great idea. A flat iron basically, if you have to add some curl, you don't need to have a curling iron, you can use the flat iron to actually curl your hair. So the flat iron can be used for two, not only to flat your hair straight or to curl it. So it's a great tool, you kill two birds in one stone. And of course, if you're not a person that has straight hair or don't need to flat iron your hair or curl your hair, then bring that one item that you can always use to upgrade or refresh your hair. If it's a gel, if it's a mousse, if you have a curly hair, a mousse, if it's something to silk your hair and do a nice chignon. So bring that one item that you can always have in your purse that can refresh your hair and switch the look real quick. Number three, another item that you must have in your purse is any mouth freshener. So if you're the type of person who like gum, you can bring some gum or a Tic Tac or a mouthwash. Some ladies even have their toothbrush and their toothpaste in their purse and they actually brush their teeth. So it is very, very professional and in respectful for the other person that you're talking to make sure that you refresh your mouth as you're going along the day. So that's a great tool to have in your purse. Then let's move on to the next one. The next one is actually a pair of high heel. You must have a pair of high heel because as you're going through the day, let's say you need to rush to a meeting or something that requires you to be more dressed up, and the pair of a high heel can upgrade your look really, really fast. Even if you have a jean and t-shirt, you throw some high heels, then you're already like switching the look and making it more sophisticated and more upscale. So a pair of high heel is very, very, very important to have in your car or in your purse as you on the go. Now, another one, which is we are now at number five, is a blazer. A blazer usually makes you more professional. Let's say you have a spaghetti stripe dress or t-shirt and you are going to church and you would like to be more respectful. So you may just throw your blazer on or your scarf, a blazer or your scarf. And also a blazer or a scarf is a great way to control the climate or the change of temperature. So for example, if you are in a room where it's very, very cold, and you can throw your blazer on and then it can warm you up. So a blazer is a great idea that on the go for those ladies, businesswomen, moms on the go that can switch your look and that can serve all purpose, all events. Number six is actually your business card. The business card is, because now we have technology and everybody is like with their cell phone, I do have an experience where two business people were trying to exchange numbers and one digit was entered wrong and they were not able to, he saved the wrong number and they were not able to complete the business and the business was delayed. So beside, in additional to exchanging your numbers by phone, you should always have your business card. Your business card can actually give more details about the things that you do, your email address, your website, and some of the business card has a picture which will help the other person remember what you look like. If you're in real estate business, I know they also have pictures, lawyers have pictures. If not, whatever service you are giving, if you're like catering, cake, in the fashion, makeup, you usually have a logo that tells about your
business, and it's easy for the other person receiving your business card to remember. In addition, if you want to exchange the number, call right away or send a message or save the number right away, that's a good idea as well. So for those of you who don't have the business card, who don't have a business, you are a regular person who just have many errands, a fast-paced mom, then of course the cell phone, which lead us to the next items we must have in our car, which is a phone charger. A phone charger is very important to have in your purse or in your car, because as the day go by, it is very inconvenient for your phone to die and to have to make an emergency phone call or to miss a very important call. And nowadays, we use a lot of GPS. And of course, if you don't have a GPS locally installed in your car or a external GPS, you rely on your phone a lot. So imagine you have to wait till you charge your phone in order like to drive to your next location, or you are stuck because the address was on your phone. And so a phone charger is a very, very great tool to have. If you don't have a wall charger or car charger, invest in an external charger, which you could just throw in your purse, connect it, and it will charge. All right, are you ready for number eight? Number eight is actually a notepad and a pen. We know, of course, there's a lot of people that are visual. They need to draw their idea. They need to show you, this is what I'm looking for. This is the plan for the day. This is my to-do list. Some people do not like to use their iPad or their cell phone to do, to plan their day or to have a communication, a discussion with somebody. So a notepad and a pen is a very essential tool. And of course, if you're driving and an idea crossed your mind, or you observe something, some idea crossed your mind, if you don't want to write it in your phone, of course, you can write it on a notepad, so you have a pen and notepad on hand. And of course, if you are listening to a conference, if you are in attending a seminar, a workshop, or you educational information on the radio, then you can grab your notepad and your pen and just write some information, things you want to remember. And if you have kids, you can also use it. They can write on it as well. All right. And now we are going to talk about number nine. Number nine is a snack. Those fast-paced mom, fast-paced woman, fast-paced business lady, you need to have a snack in your purse at all times. Have a dry snack, a dry cookie, a dry cracker, or a dry cereal bar, protein bar. Have a protein drink, any drink, whatever fits you, a fruit, anything that you can actually grab with you, or a home-cooked meal if necessary. So you can, as the day go by, you don't get a chance to go to purchase some food or sit down to have a proper lunch, then you can grab your snack and eat it. Me personally, I'm always from one place to another, and there is no time between. So I could have a photo shoot in the morning, then go to work, then come back, visit a family, then have to do go to a wedding, and switch to a business look and have a meeting, then start training models, then switch again, then have to go to attend a fashion event, then go to a casting, then go to audition. I swear to you, all this can happen in one day, and you need to have a snack. Of course, now we are reaching the number 10. Number 10 is to always have three type of outfit. Throw three outfit in your car, and that will be a casual look, a business look, and a nightlife look. Some clothes are comfortable enough that you can fit in your purse. Some ladies definitely have a big purse, or you can actually leave it in your car. Depending on if you always have your car with you, then you can leave it in your car. If you don't always have your car with you, then you can actually throw it in your purse, like, you know, just a simple black dress, just fold it. It will fit comfortably, like in a regular average purse. So those three outfits will allow you to switch from one occasion to the next, to fit a business, to fit a casual. You go into the family, then you can just go with your casual look. Then you go into nightlife, you just switch up. And I
Definitely those 10 items should be with you at all times if you are that fast-paced business lady, that fast-paced mom, or that fast-paced woman that always have different things to do, or if you don't even know what's going to happen during the day because there's a lot of things that they throw in your schedule, and you're like, oh my God, I have to drive 30 minutes to my house just to pick up my shoes, or I have to drive 30 minutes to my house just to pick up whatever that was needed for that event, for that meeting. So it's a great idea, a great tip to have those ahead of time in your purse or in your car so you can make the fast decision to move from one place to the other and always be ready. All right, ladies, remember, a dark lipstick, a flat iron, something to refresh your hair, something to refresh your mouth, a pair of high heels, a blazer, your business card, your charger, your notepad and pen, your snack, and of course, three outfits, a business outfit, casual outfit, and a nightlife outfit. Those are the 10 items that you must have. Hope that was helpful. Hope you enjoy it, and I will see you next time. Gros nouvelles pour nous fanatiques Cotel TV Show. Émission télévisée nous sorti finaliste dans la catégorie Top Compat TV Show dans la première édition Haitian Music Awards. Jouez pour nous, Kounia. À partir du 5 septembre et 5 décembre, votez pour Cocktail TV Show. Quel que soit côté dans le monde, vous êtes capable de voter sur HaitianMusicAwards.info/vote ou soit voyez un texte sur 737-210-422 et puis tapez Cocktail TV Show. Pas oublier, sorti 5 septembre pour arriver 5 décembre, votez pour Cocktail TV Show comme Top Compat TV Show. Haitian Music Awards a fait 7 janvier 2017. Merci. Merci pour voir. Passion pour pays. Merci pour tout travail et création pour voir Haïti monter. Dimanche 30 octobre 2016, pour rendre hommage mérité à Yol des Roses, United Haitian Artists a présenté dans Miami-Dade County Auditorium Haïti Cœur de Femme. Haïti Cœur de Femme, ses résultats en pile travail. Un mariage belle voix, belle costume, belle couleur. Bel coup de tambour, belle harmonie, belle complicité entre plusieurs artistes différents pour célébrer héritage culturel nous sous bannière fierté, l'espoir et l'amour tout temps. En nous tout à l'Diol des Roses, bravo, dans Bel Koujaï qui a réuni Renette Désir, Richel Guillaume, Tamara Suffren, Annie Alert et tout l'autre lieu sous direction maestro Fabrice Rouziak, Nicky Christ. Invité spécial, Diva Créole International nous. Emeline Michel. Bénéficiez puis bon prix. Prends ticket au bonheur pour seulement $40 à partir du 15 septembre sur le site internet ticketmaster.com. Dimanche 30 octobre 2016, viens applaudir à Tis New York sous scène Miami-Dade County Auditorium, 2901 West Flagler Street, 6h30, porte qui a déjà l'ouvrir. Tribute to Yol des Roses, qui ont gros spectacle, qui ont gros rendez-vous. Spectacle ça possible grâce à Picklist.com, Des Dunes Photographie, Compa-Events.com, Le National, Le Floridien, Radio Haïti Amérique, Radio Planète, Radio Méga, Valérie Ocanez, Cocktail TV Show, Télé Anacaona, Bonjour Haïti, Island TV, Master V Productions, Femme na Miami, Sotla, Actela Management Group. Thank you.
You're watching film and television segment on Cocktail TV Show. This was brought to you by the Motion Picture Association of Haiti. C'est avec un documentaire qui titré Journey Through Franck-Étienne's Worlds, en français Traverser les mondes de Franck-Étienne, que nous mettons fin à la série présentation film qui sortit finaliste dans la 6e édition Haitian Movie Awards. Réalisé par le célèbre réalisateur haïtien Arnold Antonin, documentaire ça a présenté la vie, réalisation et idéal Franck-Étienne, un artiste prolifique et engagé qui à la fois un écrivain, poète, peintre, dramaturge. Avec la participation et témoignage à plusieurs gros personnalités dans le monde artistique haïtien, Journey Through Franck-Étienne's Worlds, c'est un documentaire qui plonge les spectateurs dans le folklore haïtien. Les zombies et les guédés sont les éléments les plus forts et les plus déroutants de l'imaginaire haïtien. Pour mieux les pénétrer, le cinéaste Arnold Antonin a entrepris un voyage à travers le monde de Franck-Étienne, le plus grand créateur guédé d'Haïti. Tu jures de dire la vérité ? Total et absolu, capital. Traverser des mondes de Franck-Étienne est le titre du nouveau film d'Arnold Antonin. Il sera projeté en grande première ce jeudi 22 janvier au Caribé Hotel à 5h PM. Ce film nous entraîne dans les arcanes de la création poétique, dramaturgique et plastique de Franck-Étienne. Il y apparaît en poète de haut vol et en metteur en scène de sa propre mort. Venez vous imprégner de l'univers de Franck-Étienne à travers le nouveau film d'Arnold Antonin, Traverser des mondes de Franck-Étienne. Journey Through Franck-Étienne's Worlds, en français Traverser des mondes de Franck-Étienne, sorti finaliste dans la catégorie Meilleur documentaire dans la 6e édition Haitian Movie Awards qui a fait 6 novembre qui a venu. This is Falia Justima. I'm the Florida Ambassador for the Motion Picture Association of Haiti. On behalf of the association, I encourage you to continue to push the efforts of the film industry. So buy Haitian movies, buy original movies, and encourage the filmmakers to continue with this great work. Thank you. La peinture, la sculpture, l'artisanat haïtien étaient à l'honneur cette semaine à Cocktail TV Show. Nous avons eu un plaisir pour nous introduire, nous présenter nous, le célèbre peintre haïtien qui vit dans la diaspora, ça fait et presque 40 ans, et Wilfried Joseph Daleus qui a célébré 57 ans de carrière. Et nous-mêmes qui de passage dans Miami, m'invitez nous, font arriver dans Daleus Museum and Arts Gallery qui est situé dans 5910 Northeast 2e Avenue dans Miami. Pour nous capables de relayer dans 305-891-0030 ou, s'il vous plaît, tapez Joseph Wilfried Daleus. Nous avons toutes les informations de besoin, soit sur Instagram, Google, Facebook ou encore YouTube. C'est avec notre sac que m'a mettez fin à l'émission aujourd'hui. M'a pas retrouvé nous semaine prochaine pour l'autre édition de Cocktail TV Show. C'était avec vous, Farah Larieux, Marc T. Haïti.